Il ne restait plus qu'un petit brasier consommant les restes de la marina, le nid d'aigle. L'auberge de Masquinongé a été la proie des flammes vers 4 heures du matin hier. Un incendie a complètement détruit la bâtisse qui abritait le restaurant et le bar. En fait, il ne reste plus que la cheminée et un tas de débris de cette bâtisse. Même si 35 pompiers se sont déplacés sur les lieux, ils n'ont pas pu empêcher le feu de ravager l'établissement. Pendant près de 5 heures, les pompiers de Masquinongé et des municipalités avoisinantes ont combattu les flammes avant d'éteindre finalement le brasier. Jusqu'à maintenant, les causes de l'incendie sont toujours inconnues. La Sûreté du Québec a ouvert une enquête pour déterminer les causes, mais tout semble indiquer que ce ne serait pas un incendie criminel, puisqu'une pelle mécanique a déjà commencé à ramasser les débris. La théorie la plus plausible est que c'est probablement un problème électrique ou le chauffage qui serait à l'origine du feu. Cette auberge avait tout de même fait un nom dans la région par sa popularité. Le service de restauration est installé à cet endroit depuis au moins 50 ans. La marina était notamment utile pour les pêcheurs sur glace de Berthierville. Plusieurs personnes s'y rendaient souvent pour profiter des quais ou encore pour le camping qu'elle offrait. En raison de l'incendie, 4 personnes ont perdu leur emploi. De plus, la marina devra se passer des revenus engendrés par différentes activités hivernales, dont la motoneige et le quad. Seule bonne nouvelle, le gérant Reynald Côté a précisé que la direction de la marina a l'intention de reconstruire la bâtisse principale.